Bon. Oh, regarde-les manger, ne sont-ils pas mignons? De la nourriture pour poulet. Ils sont pas mignons, mes petits poulets. Je suis sur mon petit nuage quand je leur jette des céréales. Regarde les picorer par terre, ils sont tellement choupinous. Ah, ma fatigue s'envole comme par magie au milieu de mes petites boules de plumes. Malheureusement, je suis quasiment à court de nourriture pour poulet. Tu peux me ramener des céréales? Si tu me rapportes des céréales, je partagerai ma récolte d'œufs et de lait avec toi. La farine d'orge. Allons chercher de la farine d'orge pour ces petits poulets, ces petites boules de plumes. J'en suis ravi. Je sais pas combien il me faut d'orge pour... Ah, c'est 5 farines en plus. On va taper sur 50 alors. Oh non, peut-être 25 plutôt. 25, je pense, c'est déjà pas mal. Oh putain. Bah du coup, il a cassé mon orge. Qu'est-ce que t'as ramassé, toi, débile? Regardez-moi ça comme c'est dégueulasse. Oh là, c'est d'un moche. C'est d'un moche. C'est moche et c'est ridicule. Oh là 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 là. Ok. Regardez. C'est comme lui là. Oh, et sa petite tête. Oh, la petite tête toute mignonne. Oh, toute petite, petite. Non, je rigole. Et la sale grossette. Ah, merde! Non, c'est bon, retire-toi, là, fais pas chier. Ah bah si. Bien. Une bonne chose de faite. Bon, est-ce que je peux déjà comment... Alors, je lui dégage d'ici parce que c'est ici qu'il y a le crabe qui spawn. Hop, ça m'en fait combien là? 22. Et donc on va faire de la farine. 9.
Farine d'orge. Farine d'orge, farine d'orge, la pâte. Farine, farine. On crafte pas de la farine avec ça. Un moulage peut-être. De la poudre. De la farine. Farine de maïs. Donc je pense que c'est ici on fait de la farine d'orge. Il n'y a pas grand chose dans le truc hein. Alors j'en suis à 22 orges. Pour 1. Tu m'en demandes combien? Ah, un seul pour une farine. Oh, ça marche. Oh, il y avait longtemps que j'avais pas entendu ce son-là. Ah bah, ça se déverrouille petit à petit, ma foi. J'ai bien bougé, je trouve, par rapport à avant. Bon, ça suffit. Tiens, toi, pour tes bestioles. Waouh, merci, je peux en faire du fourrage. Ah, forcément. Que jeter ? Ah ouais, mais si, c'est bon, pas besoin. Toi alors, tu es un aventurier sympathique. Tu veux des œufs ou du lait? Ok, ensuite. C'est difficile de gagner sa vie en travaillant la ferme, n'est-ce pas? Il peint pour en dire ses fans, moi, non? Non, tu n'as rien compris, ce n'est qu'un plaisir. S'il a hâte de collectionner des antiquités, tout ira bien. L'annihilation du crabe qui rapproche les champs. C'est Madame Norma qui t'envoie. Si elle te recommande, c'est que tu es un homme de confiance. Alors, je suis une femme déjà, merci. Tu pourras tuer des crabes caraparoches pour moi? Je voudrais étendre mes cultures, mais le crabe me barre la route. Pour un gérant de ferme, l'efficacité est mère de toutes les vertus. Élimine le crabe et ramène-moi sa gigantesque armure dorsale. Eh bien, allons-y. Si tu veux son armure dorsale. Alors, est-ce que tu vas le looter ce truc là? Non. Oh. C'est un ingrédient utilisé pour la cuisine. Vous pouvez recevoir une quête de la ferme et peut-on transformer en d'autres ingrédients. Crème, fromage, pudding, allez ça dégage. Voilà.
Donner une pierre brute. Oh, quel con! Je l'ai... C'était ça une pierre brute, lol. Oh, le gros noob. Bon. Non, de l'autre côté. Pierre brute. Oh. Un topaz brut, ma foi. Ça, j'en ai besoin. Je sais pas quoi acheter, sincèrement, je sais pas. Les crabes sont des sources utiles de pierres brutes. L'efficacité est mère de toutes les activités de production, c'est le mot d'ordre des industriels. Des pots de sangliers. Comme tu peux le constater, les sangliers sont le fléau de cette ferme. En plus d'être agressifs, ces têtes de lard sont difficiles à chasser, une vraie tannée. Mais vu tes capacités, une petite extermination de sangliers ne devrait pas être la mer à boire. Tu te rappelles ma maxime? Non. L'efficacité est mère de tout. Ouais, ok. Le concept, c'est pas de tuer des sangliers, mais de tuer des sangliers pour exploiter leur peau. Alors attrape ces sales bêtes, écorche-les et produis des peaux résistantes avec la matière première. Ah, t'es violent toi en fait. Wesh. Alors il y a un bestiole ici. Oh, bidi bidi bidi. Bidi 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 bidi. Les sangliers, les sangliers. Est-ce que je peux pas parler les sangliers, non? Est-ce que je suis... Ouais, c'est ça, c'est vers la droite. Bon, je vais juste tomber là que j'en ai marre.